Merci Madame la Présidente. Je commence et je pense que de toute façon Madame Thiel et moi serons d'accord sur les amendements à défendre. Eh oui, tout à fait. Mais il n'y a pas de honte à être d'accord avec Madame Thiel. Tout va bien. Ce sont des amendements qui concernent évidemment tous la liberté de culte et qui ont pour but de permettre aux croyants de pouvoir rendre à nouveau un culte public de leur religion. Je le rappelle ici, la République, vous le savez tous, assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice des cultes. Or, le gouvernement a décidé de proroger l'interdiction des cérémonies cultuelles après le 11 mai. La liberté de croire en une religion et le droit de la pratiquer sont deux principes structurants de notre société qui sont protégés à la fois par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme en son article 9. Pourtant, les lieux de culte ne pourront pas réouvrir et la liberté de pratiquer le culte ne pourront pas réouvrir pour l'instant avant le 2 juin. Un référé liberté a été déposé mardi matin auprès du Conseil d'État pour contester la décision arbitraire du gouvernement de prolonger l'interdiction des cérémonies religieuses à l'issue du déconfinement du 11 mai. Et le Conseil d'État a d'ailleurs admis la requête, ce qui démontre qu'il y a bien un sujet, puisque la procédure du contradictoire avec le Premier ministre est en cours. Ce n'est pas une manière de mettre les cultes, parce que j'ai entendu parfois l'argument, de mettre les cultes au-dessus des règles sanitaires. Ce le serait si beaucoup d'autres activités humaines n'étaient pas permises à partir du 11 mai, alors qu'elles sont soumises aux mêmes contraintes sanitaires. Je le rappelle, les écoles vont réouvrir. J'en profite d'ailleurs pour poser pour la 7e fois consécutive la question du deux poids, deux mesures concernant les tests pour le personnel des écoles et des crèches. Les bus et les métros vont pouvoir être pratiqués dans des conditions de promiscuité qui n'ont rien à voir avec les rassemblements culturel. Les supermarchés ont toujours été ouverts pendant l'état d'urgence sanitaire et parfois on se pose la question effectivement de cette promiscuité, mais on n'autorise pas les Français de pouvoir pratiquer le culte de leur choix. Alors depuis le 4 mai, le Premier ministre a envisagé la reprise des cultes éventuellement pour la Pentecôte, c'est-à-dire le 29 mai. Monsieur Castaner l'a de nouveau évoqué hier dans votre conférence de presse, monsieur le ministre, mais sans plus de précision. Alors je pose la question, pourquoi ne peut-on pas autoriser la pratique des cultes alors qu'on ouvre les écoles et les commerces? Monsieur le ministre, je vous le demande solennellement, déclarez l'état d'urgence cultuelle et permettez aux croyants de pratiquer leur culte à partir du 11 mai. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chers collègues.